Ah, mais vous n'êtes pas encore partie? Non, mais je vais y aller, moi. Oh, une nouvelle version. J'aime bien. Je m'appelle Kaylee. Je cherche mon... Là-bas. Ah non, non, non. On vient à peine de l'enfermer. On va pas le couvrir maintenant. Non, non, je cherche un jeune homme. Si tu veux, je peux t'aider à le retrouver. Je voudrais bien devenir son ami, moi aussi. Lara, c'est pas le moment. Ne t'inquiète pas, on va t'aider. Dès qu'on sera sorti d'ici. Ben voilà, c'est pas si compliqué d'être une exploratrice. Il suffit de suivre les panneaux. Ici, le but est simple. Parcourir le monde, capturer les créatures toutes plus mignonnes les unes que les autres. Les gens autour de toi pourront t'aider, bien sûr. Super! Je suis dans l'univers pote. Tu t'imagines des choses. Et si on prononce pas ce nom, il pourrait nous entendre. Qui pourrait nous entendre? Je ne peux pas te dire. Il nous surveille. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça commence par Nin et ça finit par Tendo. Nintendo? Mazette! Je lui dis qu'il faut pas le dire et elle le dit. Écoute, je ne sais pas du tout de qui tu parles et je ne sais pas du tout qui ça peut bien être. Bref, le but ici, ce serait de capturer des pales. P-A-L-S. Des pales? C'est le nom officiel. Je ne sais pas ce que tu allais dire, mais ne le dites surtout pas. De toute manière, ça n'a rien à voir. Ici, on les capture, on les dresse, on les fait se battre les uns contre les autres. Les pales sont si mignons. C'est exactement comme dans Poker. Chut! Non, rien à voir avec ce jeu dont on ne doit pas prononcer le nom. Des os, pas des os, hein. Mais on capture, dresse, et fait combattre des créatures mignonnes, donc Pokémon quoi. Ben non, parce que là ils se battent avec des mitraillettes, de lance-flammes, de canons laser. Ils sèment la mort et le chaos. Mais comment ils font avec leurs pattes? Et les pales ont-ils des pouces opposables? Pourquoi? Ils le font, c'est tout. Tiens, regarde, voici un pal tout mignon. Est-ce que je dois leur jeter des cailloux pour les assommer comme dans Pokémon? C'est horrible ce que tu dis. Tu imagines jeter des cailloux à des pauvres animaux innocents? Quelle barbarie! Non, il suffit de prendre un joli bâton, ou même les poings, et quand tu penses que c'est la fin, tu continues, tu assommes, tu achèves, tu frappes, jusqu'à ce qu'elle la mort s'en suive! Et c'est quand il agonise que là c'est bon, tu peux l'attraper. Tu vois, pas besoin de cailloux ou d'excès de violence. Luttons tous ensemble contre la cruauté des animaux. Ok, petite, je peux essayer? Mais je t'en prie, voilà, c'est bien. Plus bas, plus fort, monte qu'il bosse, ce cul patron! C'est moi le patron! C'est amusant! Il bouge plus là, il est mort? Non, non, continue! T'as bien encore 20 minutes par point, pour être sûr, il faut se méfier de la distance des lamballes chanceux shiny le niveau 3! Ah bah oui, pardon, il suffit de le capturer avec une sphère pâle. Sérieux? C'est la même chose qu'une Pokémon? Je vois pas le rapport, on parle pas de nourriture là. T'es vraiment pas le pâle moins le plus puissant de la banquise. Ça, là, ça ressemble à une Pokéball. Mais pas du tout, une Pokéball, ça en forme ronde. Et là, est-ce que c'est rond? Non, c'est sphérique. Et donc c'est pareil? Eh ben non, une sphère, c'est de forme de sphère. Alors que là, c'est... Donc, je le disais, il suffit de les capturer et ils se battront avec toi. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir beaucoup de créatures. Comment je les trouve maintenant? Rien de plus simple. Tu auras un Paldex. Il suffit... Non, stop là. C'est pas possible. Paldex, Pokédex, c'est fou les similitudes là. Bon, écoute-moi ma mignonne. Tu commences gentiment à me chatouiller les moustaches. Qu'est-ce que tu insinues, hein? Tu sais ce que je pense? Eh ben non, je sais pas à quoi tu penses, je ne suis pas télékinépathe. Je
Je pense que c'est une fausse parodie de Pokémon. Et voilà, elle a dit cette espèce de... Absolument pas. Il faut pas tout mélanger. Est-ce que tu trouves que Mario et Zelda, c'est pareil? Absolument pas. Et pourtant, ils vont chacun récupérer leurs greluches qui se font se capturer 73 fois par jour. Et pourtant, c'est pas pareil. Ben là, c'est pas pareil. Et que c'est pas pareil, et ben c'est pas pareil. Mais ça n'a rien à voir. Bon, ici, tout est pareil. Les Pokéballs, les Pokédex, les buts du jeu, les créatures, quoi, enfin, tout ça. Mais il y a des mitraillettes. C'est plus classe que d'avoir des éclairs qui sortent par pour le tralala. Nous, on n'est plus développés. Oh là là, un Pokémon qui ressemble à un pigeon et qui roucoule. On va l'appeler Neroucoule. Oh, ils sont vachement foulés. Ose me dire que c'est pas pareil. Ce gros-là, il ressemble à un mammouth avec une fourrure sur le dos. Comment il s'appelle? Le Mamorest, mais c'est un très mauvais exemple. Et attends, est-ce que t'as une casquette? Bah non. Eh ben dans Pokémon, ils ont des casquettes. Donc c'est pas pareil, c'est pas Pokémon. C'est bon, j'ai gagné. Ça me dégoûte. J'aurais pu être dans le monde merveilleux de Pokémon, à faire la Team Rocket, gagner des badges avec un enfant de 10 ans depuis 25 ans à la place. Je me retrouve habillé comme un candidat de Koh-Lanta, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment une patrouille. Non, c'est pas le Word.